Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 7 juin 2021, direction l'hippodrome de Vichy pour le prix de Grosbois, première course de la Réunion 1, où 16 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce rendez-vous européen où un seul candidat d'origine étrangère prendra le départ, nous devrions assister à une course très rythmée. En effet, les 6 plus riches rendant la distance de 25 mètres, il est certain que sur le parcours des 2950 mètres de la piste à main droite, les éléments du premier échelon ne les attendront pas. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 14, Empereur du CB. Spécialiste de la piste de Vichy puisqu'ayant déjà gagné 4 courses ici même dans l'Allier, il se présente au départ de ce Quintet Plus bien engagé, déféré des 4 pieds et associé à son entraîneur, un certain Mathieu Abrivard. En deuxième choix, le numéro 16, Baccarat Giel. Julien Foin l'aime énormément et le trouve toujours aussi un gambe à l'âge de 10 ans. D'une belle régularité depuis le début de l'année, il doit encore conclure dans les 5 premiers. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Calino Penem. Il a débarqué depuis peu dans les box, de la famille Abrivard, en l'occurrence celle de Laurent Claude. Drivé par Alexandre et déféré des 4 pieds, il semble en mesure de monter sur le podium ici. En quatrième position viendra le numéro 5, Endo Dazif. Présenté par Charles Dreux, drivé par Damien Beaune et restant sur une belle victoire lors de son avant-dernière tentative, il va tenter de conjurer le sort, lui qui avait course gagnée dernièrement lorsqu'il s'est montré fautif aux abords du poteau. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Rocky Tilly. Restant sur 2 disqualifications, Jürgen Weston compte sur l'aide de Franck Nivard pour régler la mire aujourd'hui et terminer dans les 5 premiers. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 12, Vlad Del Ronco. Nous le préférons légèrement sur les courtes distances, mais aujourd'hui sur une longue distance comme celle du jour, si Léo Abrivard arrive à le planquer, il peut terminer très vite. En avant-dernier choix, le numéro 7, Didier Dumessy. La famille Lebris fait appel au service de Serge Pelletier, qui connaît la piste de Vichy, sur le bout des crayons. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Dilphe de Chamon. Pensionnaire de Loris Garça qui se présente déféré des 4 pieds au premier échelon en étant le plus riche et piloté par Christophe Martens, il faut logiquement lui accorder du crédit. En cas de non partant, le numéro 8, Dante Turgot, qui est d'une belle régularité dans l'ensemble, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 € sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Turf Sélection remplissent une nouvelle fois leur contrat en indiquant tiercé, quarté, quinté, dans le désordre, le dernier affichant un rapport de 116 € tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP.